que vous venez de dire, c'est-à-dire comme tous les week-ends, le moindre petite erreur que nous on fait, ça paye cash contre nous. Parti quasiment avec les deux tiers de l'équipe réserve. Aujourd'hui, on avait clairement pour mission de... Sur une bonne lancée, là, c'est cool. Donc voilà, y a pas grand chose à dire. La victoire a fait plaisir. Du coup, voilà. Bah, adversaire pas trop fort ou éviter. Non, c'est pas ça. C'est on a réussi à faire du bon jeu. On les a déstabilisés. On a réussi à prendre le cours du match. Et puis la victoire est présente. Super. Merci. Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comme tous les week-ends. Le moindre petite erreur que nous on fait, ça paye cash contre nous. Et nous, on n'arrive pas à saisir les opportunités éventuelles qu'on se crée. Parce que les trois quarts du temps, c'est créé.
ces 10 premières minutes de deuxième mi-temps nous ont fait très très mal. Dans le jeu, je pense qu'on n'a pas non plus, comme assez souvent cette année, depuis que je suis arrivé, on n'a pas trop envie à l'adversaire, sauf que nous, on donne des buts et on n'arrive pas à marquer les occasions qu'on se crée, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'être comme ça et j'espère que ça ne va pas être comme ça jusqu'à la fin. Il nous reste 3 matchs, ça serait bien de pouvoir en gagner au moins un ou deux, quoi. Comment comptez-vous améliorer le classement de cette équipe jusqu'à la fin de la saison? Améliorer le classement, ça va être compliqué aujourd'hui, hein, même s'il nous reste 9 points à prendre, on peut peut-être gagner une place ou deux, mais aujourd'hui on est quand même déjà à 4 points de l'équipe qui est juste devant nous. Donc 4 points, ça veut dire 2 défaites pour eux et minimum 2 victoires pour nous. Donc, À voir au fur et à mesure. Ça va pas être simple, mais et on va chercher à gagner des matchs quand même. Donc voilà, on va continuer à travailler, on va continuer à produire du jeu, on va continuer à aller au bout et puis adviendra ce qu'adviendra. Hein. C'est pas non plus un déshonneur de descendre, en sachant que c'est une année où il y a 5 descentes. C'est pas une année comme les autres. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler tout simplement. Puis on verra. En fait, c'était une situation un peu spéciale pour nous. On a été obligé de renforcer notre équipe réserve pour jouer un match pour le maintien. Donc on est parti quasiment avec les deux tiers de l'équipe réserve. Aujourd'hui, on avait clairement pour mission de prouver qu'on était capable, avec une équipe différente des autres fois, de faire une bonne perf, de gagner. Et donc mon discours a été basé dès le début de la rencontre là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'avait rien à perdre et qu'il fallait entreprendre, oser des choses. Et aujourd'hui, ça montre que le club peut compter aussi sur ses doublures et ses jeunes joueurs. Donc je suis hyper fier d'eux et hyper content parce qu'ils sont récompensés du travail qu'ils ont fourni aujourd'hui.